Welcome to Hashtag Hits. Hashtag Hits. Comment on fait twerker? Vas-y, explique-moi. Attends, on va arrêter ça. Comment est-ce que je twerk? Tu te mets comme ça, tu descends un peu. D'accord, voilà. Ok. Tu secoues le popotin au maximum. Alors, là, je suis comme ça. Est-ce que tu me vois, Fred? Ok. Donc, je fais comme ça et je secoue le popotin. Juste, pardon. Je me mets là, montre-moi et je fais pareil. Dis-moi. Ok, pas de problème. D'accord, ok. C'est-à-dire que toi, tu veux voir mes fesses, c'est ça? D'accord, oui, ok. On va voir tes fesses, bah, c'est le but de la main-d'œuvre. D'accord, ok, super. Donc, on est comme ça. Voilà, okay. Exactement. Et alors, on fait comment? Et tu secoues. Vas-y, mais secoue. Donc, tu rentres ton bassin vers l'avant et tu l'envoies vers l'arrière. Vers l'avant, comme vers ça? L'arrière. Exactement. Ouais, yes. D'accord. Vas-y, monte-toi, ça va. Il y a encore des heures d'entraînement, mais bon. Et bah voilà. Ouais. Hashtag It. Mes petits choux, salut, vous êtes dans Hashtag It. Hashtag It, on est sur le tout nouveau It's Too Show. Ce sont les It's Too Show qu'il va falloir hashtaguer. Hashtag It. C'est celui de Aurélie maintenant qui s'appelle Fast Life, ok? Fast Life, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le temps, c'est ça? Et ouais. Les autres sont en arrêt et toi, t'es déjà dans le turfu. Exactement. C'est ça? Dans le futur. Dans le plus que parfait. Dans le plus que parfait. J'ai pas le temps. C'est-à-dire que c'est parfait, mais c'est plus que parfait. Exactement. D'accord, bon. Hashtag It. Fast Life, c'est quoi? D'où est-ce que ça sort? Est-ce que tu as toujours voulu chanter? Il me semble que c'est depuis 6 ans, non? Non, j'ai 3 ans. 3 ans, ouais, encore plus tôt que merci. Ça. Merci. Excuse-moi, j'ai 3 ans d'écart. Excuse-moi, tu as raison. Ça fait toute la différence, surtout cette année. Ouais, j'ai pas le temps. Et alors, tu t'étais dit que jamais tu ferais de la télé-réalité, et pourtant tu as fait la télé-réalité et maintenant tu chantes. Tu voulais chanter avant de faire la télé-réalité, finalement tu as fait l'inverse. Ouais, mais des fois il faut passer par certains endroits pour arriver au but, tu vois. D'accord. Donc voilà. Et donc pas de regret? Pas de regret. Tu es contente d'avoir fait les Marseillais et tout ça? Parce qu'on l'a vu dans les Marseillais. Hein. Si vous n'êtes pas au taquet, si vous n'êtes pas au top, Aurélie était dans les Marseillais. Et Reine du Clash, donc tu es celle qu'on aimait détester avec Kim, visiblement. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Mais ça bon, peut être ça. On passait. Moi, je ne suis pas du tout dans l'idée du clash. Moi, j'aime que tout le monde s'aime. Et moi aussi, je partage cette. Chiche. Tu es capable? Cette culture. Tu es capable de dire. On fait table rase, je vous embrasse, Kim, etc. Non, parce que c'est parti trop loin. Ah oui. Et c'était pas forcément voulu de ma part. D'accord. Mais quand j'ai tort, je sais le reconnaître. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, voilà. Sache en tout cas qu'elle est éventuellement prête, si vraiment il y a des excuses derrière de sa oui, part. Ouais. Franchement, oui. Ah, bah voilà, ok. Bon, en tout cas, ça, c'est fait. Aujourd'hui, toi, ton idée. Ton but, c'est quoi? L'album va être fait, c'est ça? Tu as déjà signé pour un album, carrément? Oui, j'ai signé dans un label pour un album qui s'appelle Electix Music. Electix Music. Avec les gars, on peut parler des gars ou pas? Ouais, Bader. Salut Bader. Bignas. Salut Bignas. Voilà. C'est comme ça. Yeah. Donc voilà, c'est vrai que Bader, c'est un pilier, quoi, dans le label. Ok, donc l'album qui arriverait? Bah là, il y a le deuxième titre qui arrive au mois de septembre. D'accord, et est-ce que c'est dans la couleur de Fast Life ou pas? Je peux pas vous dire. S'il n'y a pas de suspense, c'est un moment donné. Tu peux pas nous dire parce qu'il n'est pas encore réellement défini ou est-ce que c'est vraiment que tu peux pas nous dire? Non, je pense que le deuxième titre sera pas forcément dans la même ambiance que Fast Life. En tout cas, avec Fast Life, tu arrives et tu règles tes comptes. Je mets tout le monde d'accord. Tu mets. Ou pas. Ou pas. en tout cas, c'est clair. C'est-à-dire, tu expliques. C'est marrant parce qu'on a l'impression que tu. Mais en fait, tu t'adresses justement à. Mais non, mais je m'adresse pas à ces gens-là.
c'est plus subtil que mais ça. Tu... C'est oui. un ego trip, ce qui veut dire que un ego trip, alors je, ça j'ai bien compris. C'est le principe du rappeur. Je suis le meilleur, attention, j'arrive, je casse tout. Tous les clashs qu'il y a eu sûrement en autodérision. C'est ça, parce que quand tu dis je suis peut-être petite, mais je prends tout l'espace, par exemple, là on est dans quelque chose qui t'est arrivé vraiment ego trip parce qu'on t'avait dit que t'es petite. Exactement, parce que toute ma vie on m'a dit que t'es petite et quand j'allais à la boulangerie, ben, on passait devant quand je voulais ma baguette. Bah oui, c'est triste. Mais écoute, alors donc voilà, donc on est sur de l'ego trip pur et sur du rap, hip hop, c'est quoi? Pop urbain, d'accord. Hashtag it. Attention, voici Aurélie Preston Lee. Attention, c'est Fast La La Life. Fast Life. J'ai beau être petite, mais je prends tout l'espace. Pas forcément qu'on s'entende, ça passe ou ça casse. Je viens d'arriver, elles ont peur que je les dépasse. Que je leur prenne leur mec, que je leur prenne leur place. Je suis cash, pas de messe basse. Je te dis tes quatre vérités en face. J'ai pas le temps, aujourd'hui tout est fast. On fait le buzz et demain tout s'efface. Je t'avais dit que ça allait être chaud. Ah oui, c'est vrai, je t'avais dit que ça allait être chaud. Exactement. Je t'avais dit que ça allait être chaud, et ben voilà, on est. Et ben tu rap, y a du flow, ça va, c'est bien. Oui, ça va, c'est mon premier. C'est écoute, fluide, c'est le premier, on arrive. Mais sûrement, tu vois, on arrive tranquille. Hashtag it. Là, comme ça, je t'ai vu sur une vidéo demander un téléphone à un gars en voiture. Tu la connais cette vidéo? Ouais. Aurélie va draguer des garçons. Pour avoir ton numéro de téléphone. Ils sont vieux. Excusez-moi. Putain, et je fais des vannes pourries, mais alors là, t'es là, il dit. Hashtag it. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez un mec? Son élocution. D'accord, la manière dont il s'exprime, s'il s'exprime bien, etc. C'est vrai, ceci dit, que tu t'exprimes plutôt bien. C'est vrai. Une bimbo de télé-réalité. Je sais, mais j'ai pas voulu, tu vois, j'ai pas voulu rentrer là-dedans, mais je sais que très bien que tu te dis, oui, on est... Souvent, tu dis, voilà, je suis une bimbo, mais j'en ai plus là-dedans que ce qu'on veut bien croire. Je suis exactement. Un paradoxe. C'est ce que tu dis. Ok. Yes. Et tu dis même que forcément, ce que tu fais ne sert pas, n'a pas forcément servi, par exemple, ce que tu as fait avec... la poitrine, ce que tu as fait, c'était pas forcément une super idée au départ. Ça a été une bonne idée dans ma carrière d'avant, voilà, de la nuit, mais que pour maintenant, la direction que j'emprunte, c'est pas forcément l'image que je voulais donner. Si tu fermes les yeux, que tu as à choisir, on te dit, Aurélie, qu'est-ce que tu as la possibilité de faire? Tu choisis un truc. C'est trop dur. Un truc. Non, c'est pas si, moi, des un truc. Ça. Un truc. Je ne peux pas choisir. Vraiment? Ouais, parce que j'aime l'art. J'aime l'art. Bon. LARD? Donc c'est nul. Bon, ok. Oui, c'est pourri. Je sais. Hashtag it. Est-ce que tu peux nous chanter du Whitney Houston, là, vite fait? Tu peux faire quelque chose comme ça? Sérieux? Dis que tu m'aimeras toujours. Je t'aimerai toujours? Non, mais en Whitney Houston. Tu peux ou pas? Je peux. Tout est possible dans la vie. Hashtag it. And I will always love you. Ouais, vite fait, hein. Je suis pas chauffée, mais... Eh ben, c'est bon, ça. Tu peux le refaire en me regardant, s'il te plaît? Parce que là, comme ça, je vais y croire deux secondes. Ouais, mais alors là, tu vois, je commence une phase de séduction et tu risques de tomber vraiment amoureux pour moi. Eh ben, vas-y, chiche, on y va. Ok. Donc voilà, c'est Enzo tombe amoureux d'Aurélie, c'est maintenant. And I will always love you. I will always. Hashtag it. On m'a comparé à Michael, who's bad, les sceptiques font la gueule. J'ai le remède, tu me remets, t'as vu ma tête dans les Marseillais. J'ai des choses à dire, je les inspire, la presse me sollicite, respire. Faire bouger les foules, twerk bitch, tu n'impressionnes personne, tu continues ton speech. Tu veux te racheter une image, mais t'es cramé. Tu veux refaire le buzz, garce, tu vas ramer. Tu veux refaire le buzz, garce, tu vas ramer. Ça, c'est bon, ça. Eh ben oui, ça, c'est bon. Attends. Fast la la life. Fast la la life. Fast la la life. Fast la la life. Yeah. Fast la la life. 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 Fast la la life.
Fast la la life, yeah. C'est bon ça. Eh, merci. Ah oui, c'est bon ça. Bien, et écoute, franchement, merci. Et c'était un bon moment. J'espère que t'as passé un bon moment. Excellent c'est moment avec toi. Hashtag it, ok. Hashtag it, c'est Fast Life, c'est Aurélie Preston. Et bah c'est bientôt. Enfin c'est bientôt, c'est maintenant. C'est maintenant. Le clip en revanche c'est bientôt. C'est bientôt. Le clip qui tu sais quand est-ce qu'il sort de ça? Ça allait être chaud. Ouais. Ça va être chaud. C'est chaud. tu sais quand est-ce qu'il passe le clip réellement? Quand est-ce qu'on? Septembre je pense. Septembre le clip. Ouais. En même temps que le single qui arrive. Ouais, il va y avoir beaucoup de choses. D'accord. Ok. On va vous envahir d'informations. Très bien. Bah, quand il vient, quand le clip il se met en route, tu nous appelles, hein, nous on sera là. Allez, okay, ça va, on, avec plaisir. On vient sur le clip. On va faire face à la live. La parodie. Hein. Eh ouais, une vraie parodie. Hein. Bon, écoute, le défi est lancé. Le défi est lancé. Le Fast Life, c'est je vais tenter la parodie sur Aurélie Preston. Hashtag it. Je tenais à remercier Enzo. Les amis, on est tous connectés. Restez connectés sur Clip Musique. Voilà. Et on envoie tout. Ok, on envoie tout. Donc c'est ton hashtag, life. C'est quoi le tien? Ton Instagram, ton truc, enfin t'es dit. Alors mon Snapchat c'est Preston Off, mon Facebook c'est Aurélie Sorgisa et mon Instagram c'est Aurélie Preston Art. Bon, et ben voilà. Si avec ça vous avez tout compris, vous avez de la chance parce que moi j'ai rien compris. Ça fait Aurélie. Et puis voilà, de toute façon ça va être marqué sur l'écran. Aurélie les Marseillais. En tout cas, bon, tu continues les Marseillais ou pas? Non. Juste, fait, non, tu vas c'est recommencer pour ça, c'est Aurélie une autre... Preston maintenant. C'est ça, d'accord. C'est donc fini. C'est ce que je voulais savoir. Donc, the end of... Et tu termines même pas si les anges t'appellent ou quoi que ce soit. Non, ça va. Non. Ouais. Ok. Bon, ok, très bien. Bon, allez. Merci les gars. Bah, moi de te faire un bisou maintenant. Et ben c'était un bon moment. Ciao. Welcome to Hashtag It. Hashtag It.